fait qu'on va parler d'un paquet de projets qui existent chez vous et porte une attention particulière dans votre quartier à ce que représente la bibliothèque pour les gens qui sont issus de d'autres pays et qui peuvent voir certains lieux comme connotés, disons, mais pour qui la bibliothèque, c'est un endroit neutre où il fait bon de se réfugier, où il fait bon de se retrouver. Est-ce que vous êtes parti d'un point de vue comme celui-là pour développer votre projet? Bien, en fait, au départ, le projet, c'est une animatrice, Caroline Saint-Bonnet, qui a fait des ateliers en bibliothèque où elle montrait des comptines en français aux parents. Donc, c'était pour aussi faciliter là, la francisation de la clientèle. Puis, en même temps, on voulait aussi valoriser la culture là, des parents qui participaient en leur demandant là, de chanter des comptines dans leur langue maternelle, ceux qui le désiraient. Puis ensuite, on a décidé d'en faire un CD et un livret d'accompagnement qu'on a remis ensuite aux gens qui ont participé. On décide en bibliothèque de faire un livret, de faire un CD, ça, il y a des étapes, là. Elles sont faites. Bien, en fait, aussi, c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec d'autres bibliothèques. Donc, il y a aussi un gros travail pour aller chercher là, les enregistrements dans les autres bibliothèques. Il y a un technicien qui a fait aussi toute la partie là, du CD. Il y a les communications qui ont fait aussi toute la mise en page du document. Il y a toute la traduction aussi parce que les parents ont chanté dans différentes langues. Et là, on leur a demandé de traduire les chansons. Et des fois, les gens ne parlaient pas français. Donc, on traduit en anglais. Ensuite, on a dû traduire en français. Donc, il y a eu un beau travail de coordination là, pour réaliser le projet. Le résultat, une immense fierté. J'imagine que ça a été un parcours absolument fabuleux, ça, comme quand vous avez dévoilé l'année dernière. Le résultat de votre travail? Oui, tout à fait. Donc, les parents, une énorme fierté, ça rayonne aussi dans les familles parce que les parents font écouter ça à leurs enfants. Puis, il y a beaucoup de parents que je rencontre qui me parlent du projet, qui l'ont fait écouter à leur famille, qui ont envoyé le projet dans leur pays d'origine pour faire écouter à leur famille. Oui. Ah, alors, il est encore disponible, bien sûr? En fait, il est disponible dans toute bonne bibliothèque. Nous, on l'a remis également dans le projet Une naissance, un livre. Donc, c'est inséré dans notre sac. Donc, les parents qui abonnent un enfant de moins de 12 mois, on remet un sac à dos et on a inséré également le projet dans notre sac à dos. Il y a quelque chose chez vous aussi de très, très intéressant autour de l'heure du thé. Est-ce qu'il y a un projet qui est dans l'air, qui pourrait éventuellement devenir? Bien, en fait, oui. On a l'heure du thé. Ben, ça, c'est un projet qu'on a fait en 2011-2012. Et là, présentement, on a dévié vers le tricot. Donc, c'est rendu le tricoté. Donc, l'heure du thé, c'était des femmes qui venaient à la bibliothèque prendre le thé, puis on discutait de différents sujets. Et le tricot, on invite les femmes à venir tricoter. Bien, c'est une façon aussi de discuter tout en tricotant, puis de valoriser là, les talents manuels des femmes qui viennent à la bibliothèque. Et qui amènent leurs enfants, leurs enfants les amènent. Exactement, oui, c'est ça. Bravo, vraiment, c'est un travail absolument fabuleux d'intégration que vous faites là.